Si le désir, bien entendu. Ok, merci beaucoup. C'est ça, c'est intéressant. Parce que on ne prend pas le temps ici pour autre chose, c'est à cause de Dieu. Et je pense que ce rassemblement-là, c'est correct, c'est bon. C'est comme ça, il faut perdre le temps pour après, perdre le temps dans les choses inutiles. Ok. En fait, non, moi, je ne parle pas de ça parce qu'on est chez eux ici. Donc, si vous ne savez même pas de quoi je vais parler, le frère m'a soufflé quelque chose, je dis que ce n'est pas trop important. Où est le problème? Restez sérieux. Alors, donc, tout ce qu'il vient de dire, il vient de revenir dessus, on ne peut pas quitter ici. Voilà, on va le droit vite, on donne notre feuille de route. On dit doctrine, après aussi, prophétie. Puis c'est pratique. Donc nous, on est cohérent dans ce que nous disons. Sinon, appelez à chaque fois ton invité. Celui que tu as invité, qui a répondu, a échangé avec toi. À chaque fois, mon petit. Comme tu es Dieu, vous me dites ma créature. Tu vois? Bon, tout ça, vraiment, c'est grave. Maintenant, moi, s'il était même là, ou même s'il peut être, comme il m'écoute, si le frère peut être là, je lui pose une seule question. Avant, oui, mais c'est quel échange, on ne pose pas question. Question. Comme on va voir, hier, ils ont dit hier qu'on a parlé, non, il faut qu'on se pose des questions. Parce que je vais passer sur un deuxième point. Le premier point là, il y a une seule question que je vais lui poser. Je pense il va répondre. Tout à l'heure, je pense bien, il a dit que même la puissance et le pouvoir que lui il a là, même le Dieu de Branham ne peut pas ébranler ça. Vous avez entendu ça? Très bien. Maintenant, voici ma question. Si le pouvoir qu'il a, que Zachar a, le Dieu de Branham ne peut pas ébranler ça, comment dans la même bouche de Zachar, il dit que c'est lui qui a envoyé Branham?
Viens ici, frère Bolou. Écoutez bien. Voici la question. Plein de plans, on pas encore compris. Voici mon frère qui est là. C'est moi. Je l'envoie. C'est ça? Donc, frère. Frère. Voilà, donc c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui te donne le. C'est ça, non? J'ai sans l'image. Maintenant, je dis que le Dieu du coup est mis dans le pouvoir. Dieu. Son Dieu là, c'est moi. C'est moi. Sans moi, il n'a pas de puissance, il n'a pas de pouvoir. Et je l'envoie. Et je viens même le même Dieu là, qui envoie ce frère, le même je viens dire que le pouvoir que lui il a là. Le pouvoir, lui, il l'a là. Oh, son pouvoir, c'est moi. Et lui, même le pouvoir que moi j'ai là. Le Dieu qui a envoyé le frère là, ne peut pas être ça. C'est ça qui c'est moi, je l'envoie.
on aspire. À un chat de fer ou bien de pierre qu'on aspire. Ceux qui sont assis sont des bêtes de pierre, ils ont pu mettre en la pluie. Et il y avait des critères qui doivent être proposés. Quand ils ont rempli les critères, ils ont les bêtes de pierre ici. Ils ont voulu. Mais le ministère, qui aspire à ça? Yes. Quand on pose des gens à l'assemblée, on dit qui veut prêcher. Et puis les gens lèvent le doigt, c'est là qu'il va discerner le doigt. Mais attendez, vous aussi. Il dit vraiment maintenant vers pour toi. Oui. Il a quand même tout vraiment dit, ok, levez la voix. Je vais voir qui sont ceux qui aspirent. Voilà. Et les gens ont dit, pour moi, je vais prêcher. L'autre dit, moi, je vais prêcher. Ça va dire, pour toi, tu as le don. Mais frère, ça c'est le diable. Claire. C'est dénomination. C'est ça. Les pasteurs, quoi, bon, la personne, ils font. Et les gens, les peuples, les gens, petits. C'est pas Dieu inscrit dans le ciel, ça n'existe pas. Jamais. Voilà. Moi, il parlait de l'église, j'allais le verset pour pouvoir te mettre. Oui, tel verset dit que dans la vie, on a fui au prédicat, à la prédication. On a fui au ministère. Mais comment ça? Capable. Ok, maintenant, l'autre côté, et maintenant pour distraire un peu les gens. Ok, maintenant pour distraire un peu les gens, frère, il peut faire des actes 11 là, afin de les disciples étaient appelés chrétiens. Quand vous êtes là, moi qui suis là, voilà mes frères. Quand il voit même mon frère en train de dire quelque chose en public, je sais que ça va au-delà même de moi et de lui. Ça engage la parole, même devant lui, je vais le remettre. Non, c'est ce que tu dis, ça c'est pour toujours. À cause de toi, je peux faire la parole. Je peux mettre le faire en hop que Jésus soit glorifié. Mais vous voyez que ce qui vient fort, mais comment vous l'acclamez? À part, mais regardez tout à l'heure, mais quand il parlait là, quand il a pris Acte 11 là, quand moi j'ai parlé devant vous ici, Dieu m'a fait s'enregistrer. J'ai une fois dit dans Acte 11 là que c'est Paul qui a donné pour la première fois le mot chrétien en Antioche. J'ai dit ça ici. Mais vous êtes là tout à l'heure, vous m'avez dit suivant ici. En disant, non, mon petit Pierre, c'est pas ça, c'est pas Paul. Qu'est-ce que c'est Paul? Est-ce que tu dit que c'est Paul? Question. Non. Vous êtes là. J'ai dit que c'est Paul qui a dit première fois le bon chrétien a encore sa foi. Jamais. Vous aussi. Amen. C'est pas ce qu'il a dit. Ok, frère. Vraiment. Et à chaque fois, mon petit Pierre, là, c'est respect. Ah bah, mon petit, on connaît tout. Je vous pèse. Bon, lui, il dit les dieux, donc lui, il peut connaître tout. Mais vous connaissez tout aussi. Ok, frère, vas-y, rapidement. Non, ce qu'on va faire, c'est le deuxième point à faire de pratique, et de prophétie. Donc on va lire les versets pour qu'ils sachent. Quand on va maintenant lire sur sa prophétie, ils vont savoir que c'est un faux. Donc on lit 2-3 versets et on va maintenant écouter ses prophéties. Deutéronome chapitre 18, après verset 19. Tu as lu aussi Jérémie. On va lire rapidement, frère. Deutéronome, il y a Jérémie, il y a Deutéronome chapitre 18, rapidement. Deutéronome 18. Oui. À partir de verset 19. Oui. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, oui, et qu'il dira en mon nom, qu'il dira, que ce prophète-là dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. C'est mon Dieu, je vais lui demander compte. Mais, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom, le prophète qui aura l'audace, le culot de dire en mon nom, une parole, que je ne lui aurais pas commandé de dire. Que mon Dieu, je ne lui ai pas dit de dire là, ou qu'il parlera au nom de votre Dieu, ou bien il va parler au nom des païens et des démons, ce prophète en question là, sera puni de mort. Il va être puni de mort. C'est un menteur. Oui. Peut-être, diras-tu dans ton cœur, tu vas te poser la question dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aurait pas dite? Alors, mais comment on va savoir que ce que le prophète dit là, Dieu n'a pas dit ça? Quand ce que dirait le prophète n'aura pas lieu, Dieu donne la réponse. Il dit pour savoir que c'est un faux prophète. Mm-hmm. Quand ce que le prophète là va prophétiser là, il n'arrivera pas. Papa, reprend. Quand ce que dirait le prophète, quand ce que le prophète va dire n'aura pas lieu, ça ne va pas avoir lieu. Il n'arrivera pas. Ça ne va même pas arriver, ça ne va pas s'accomplir. Ce sera une parole que l'Éternel, oui, n'aura pas dit. Alors que ce n'est pas Dieu qui a parlé à travers ce prophète là. C'est par audace. C'est par des démons, par la possession des démons. Que ce prophète là l'aura dit à prophétiser. N'aie pas peur de lui. Un tel prophète n'a pas peur de lui. Point. Je pense que c'est clair. C'est le fondement. Jérémie 23, 31. Deuxième verset, confondement, et rentre maintenant dans les prophéties. Vas-y, frère. Jérémie 23, 31. Oui. Face. Voici. Dis l'Éternel. J'en veux au prophète. Qu'ils prennent leur propre parole. Qu'ils prennent leur propre volonté, leur propre parole. Et la donne pour ma parole. Et ils donnent ça pour ma parole. Face. Ah, dis pas l'Éternel, bien, dis pas le Seigneur. Ah, c'est pas lui qui parle. Les démons qui parlent à travers lui, vas-y.
Voici. Voici. Dit l'Éternel. Oui. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. À ceux qui prophétisent des songes qui sont faux. Qui les racontent aux gens. Et qui égarent mon peuple. Eh bien, il y a le mot égaré. Ils se conduisent ces gens-là à l'abattoir. Ils égarent mon peuple. On ne vient pas pour égarer le peuple de Dieu pour le diriger. Mais celui qui est là, c'est un faux conducteur, c'est un menteur. Oui, frère. Qui égare mon peuple. Oui. Par le mensonge. Par le mensonge. Et par la témérité. Oui. Je ne les ai pas envoyés. Écoutez, on va voir tout à l'heure si ça n'a pas été envoyé par Dieu ou bien si c'est lui-même qui s'a envoyé. On va voir, c'est ce que Dieu dit. Donc, voilà la balance. Voilà, c'est le miroir. C'est la boussole, là. C'est ça qui est là. Voilà ce que Dieu a dit. Oui, frère. Je ne les ai pas envoyés. C'est pas moi qui les ai envoyés, ces gens-là. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Je ne leur ai même pas dit de prophétiser. Et ils ne sont d'aucune utilité. Ils ne sont pas importants. À ce peuple, voilà. Dit l'Éternel. Vous voyez un peu? Donc ils ne sont pas importants. Ce sont envoyés eux-mêmes. À cause de leur part et de leur bas ventre. Très bien. Frère, vous êtes prêts? Mais mettez la parole, vous l'avez combien c'est ici, vous avez passé ici? Si on met ici, on peut entendre. C'est ici. Ok, on y va. On va écouter cette prophétie. C'est peut-être pas tout, mais on va te demander 2-3 simplement. C'est lui qui parle. Si c'est pas lui, vous dites que c'est pas lui. Si lui ne sait pas aussi, lui il est là, il va dire c'est pas moi. Que tu mens sur moi. Si avec toi la lettre, je vais vous aller voir, c'est une vidéo. Il a dit ici, on était en 2009, c'était 2009 en ce moment-là. Il a prophétisé la mort de Bethéry, c'est ainsi parle le Seigneur. Or, tout le monde sait que ainsi parle le Seigneur est infaillible. Quand tu dis quelque chose, on dit ainsi parle le Seigneur, tu peux se dire, je pense, je le prédis, ça fait arriver. Dis ainsi parle le Seigneur ne ment pas. Vous savez, Bédé a encore en vie, mais il y a longtemps, il est mort, on l'a enterré. C'est un. Choqué un peu. Parce que moi, je sais que Pierre a envie. Il n'est pas mort. Continue un peu. Parce que c'est vrai. Quand il parlait là, ça quand même fait du bruit. Il faisait bruit, frère. Après, attends un peu. Le manque de respect a commencé maintenant. Oui, ça a commencé. Ce n'est même pas un petit mouillé. Il y a des gens qui n'avaient jamais entendu ça. Il y a des gens qui savent ça. C'est pas tout le monde qui sait ça. Donc, laissez les gens écouter. Si tu le sais, ça fait une répétition. Ceux qui ne savent pas laisser, ils vont écouter, c'est important. Vous croyez où? Lui-même qui est votre guide, dont vous parlez, il m'a accordé le respect de parler. Donc si je passe pour son respect, vous devez dire, gardez le silence. Si on s'apprendrait qu'il est en ligne, si vous faites ça, bon, êtes-vous le référendum maintenant? C'est, je suis son invité, juste après du contraire. Ailleurs, vous pouvez me faire ce que vous voulez, mais juste là, je suis son invité. Il a cité Soro.
Et maintenant, après, il va te dire, pourquoi il a rien dit? Pourquoi il a rien dit comme ça? On va écouter. Ok. Voilà. Donc, voilà ça ainsi. Et même ça ainsi, l'autre page, vous le savez, vous pouvez regarder là-bas. Il a dit, il a cité beaucoup de noms. Et les noms qu'il a cités là, Dieu a permis que ces personnes-là soient encore en vie. Aucune d'entre ces personnes qu'il a citées, et en disant ainsi, parle le Seigneur, n'est morte. Jamais. D'abord, lui, il a parlé de sa propre mort aussi. Après, le caractère d'homme vivant aussi, lui, il va aller là-bas. Et lui, il va mourir. Bédé va mourir. L'autre va mourir. Comment il appelle Solovkin va mourir. Il a parlé de beaucoup de choses. Même d'abord, il a parlé. Il a parlé même de Alassane aussi. C'est à cause de ça aussi longtemps. Je ne suis pas venu dans la politique, mais Dieu. Ce qu'il a dit là. Oui, aussi longtemps que Alassane est président là. Lui, il a dit des choses très graves. Il ne peut pas rentrer. Puisque tu as dit, il va mourir. Il a dit même beaucoup de choses. Il dit que c'est lui. Il dit que c'est lui qui a donné l'extrait de naissance. Tu tiens là? Il a donné l'extrait de naissance à Madame Gbagbo. L'extrait de naissance de Ato à Madame Gbagbo. Il a dit ça ici, c'est un secret. Ou bien sûr, moi, vous pouvez lire. C'est pas une invention. C'est ce qu'il a enseigné. Et c'est ce qu'il a écrit. Et il a dit tout à l'heure, s'il écrit, c'est qu'il n'a pas, il ne veut pas cacher quelque chose à quelqu'un. Si un prophète écrit, mais vous devez me remercier que je lis les écrits de vos prophètes. Ou bien de votre guide. Parce que je suis convaincu que dans une assemblée, ce n'est pas tout le monde qui aime lire. Il y a des gens qui sont là, ils n'ont jamais lu ça. Il y a d'autres qui lisent. Si tout le monde lit, c'est que Dieu devait faire. Il y a des gens qui ne lisent pas, qui ne veulent pas lire. D'autres sont forts dans la lecture. Voilà. Donc, au travers de la parole qu'on vient de lire, on vient de lire dans la Bible là. Et c'est quelques prophéties là. Est-il un vrai prophète de Dieu? Est-il quelqu'un de vrai? C'est quel Dieu là? Dieu qui manque sa voix. Un Dieu qui dit des choses qui ne l'arrive pas. Jésus, après que Dieu a dit, je vais mourir, trois hommes, je vais sortir. C'est arrivé. Noir sur blanc. Il dit, Pierre, tu vas me réunir trois fois, cette nuit avant que le corps ne change. Une seule fois. Ça n'a pas failli. La chose n'est pas encore arrivée. La chose se porte la nuit. Et la nuit, Pierre a fait ça vraiment. Bon, imagine que Pierre n'avait pas réuni. On dit, Jésus, il ment. Même si tu n'aimes pas, pourquoi tu arrêtes là, tu l'as menti. L'homme a prophétisé. Il dit, les choses vont aller. Il n'a pas dit que je pense, mais je souhaite. Il dit, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est quel Seigneur qui a parlé à travers depuis que plus de quoi je m'ai arrivé. C'est quel Seigneur? Il n'a pas dit ainsi dit, mais il dit ainsi dit le Seigneur. Hein, frère? Un Dieu qui dit ainsi dit le Seigneur. Jésus a dit mon père. Il n'a pas dit ainsi l'autre côté. Ainsi Dieu dit, ou bien l'autre dit. Puisque lui-même est Dieu. Et je vous apprends qu'aucun homme de Dieu n'est l'incarnation de Dieu. Aucun! Vous ne pouvez pas me montrer. Moi, je voudrais qu'il montre moi des versets. Si vous me versez, je vais les amener. Parce que je vois qu'il a au moins, il est quand même sérieux. Tout ce qu'il dit, ça ne vient pas de lui, ça vient de la Bible. Il dit qu'il est la vie de Christ, non. Mais il dit, les passages en bas, où l'homme, un homme est l'incarnation de Dieu. Un homme. Le seul qui est l'incarnation, le seul même qui est la plénitude, c'est Jésus seul. En dehors de Jésus, même Paul n'est pas l'incarnation. Jamais. Balance quand je parle tout à l'heure, Paul n'est pas l'incarnation. Jamais. Dans les autres, il n'y a aucun n'a été l'incarnation. C'est pas possible. Ni les colombins, ni les matières, aucun. Jamais. Mais c'est lui qui est l'incarnation. Qui nous montre au moins d'où il dit ça. Frère, donc voici un peu. Lis maintenant. Oui. On va lire quelques prophéties de Satan, Gadi et Tien. Ils ne sont pas accomplis. Il faut lire, frère. C'est prophétie 1. Oui. Mort de pitié. Voilà. On a déjà parlé de ça. De la guerre. Oui. Prophétie 2. Oui. Bobo. Précise que c'est la guerre de 2009. C'est ça. Parce qu'ils vont lui montrer, regarde, il n'est pas encore arrivé. Oui, frère. Bobo. Oui. Président jusqu'en 2015. Mais c'est prophétie de votre Dieu. Et c'est le futur, le Seigneur. Très bien. Reconnaissez ici que votre Dieu a menti. Il s'est trompé. Est-ce que, ça va, il y a des choses, il y a des faits historiques, on n'a même pas besoin d'être spirituel. C'est les choses qu'on a vécues. Ici, qui fait les gars sur ça que Baba a été traduit en 2015 ici? Personne. Qui? Pourtant, votre Dieu a dit ça. C'est un mensonge, mais c'est une vérité. Mensonge. Continue, frère.
Le 33e dimanche détruit. Le 33e dimanche sera détruit. Sera détruit. En 2010, dans la guerre. En 2010, oui. Ça y est encore là, hein. Ça y est en pleine forme même. Votre Dieu se trompe là encore. Un Dieu qui marche chaque fois. Vas-y frère. Quatre. Oui. Monte à la scène, le talent. C'est à cause de ça, il y a un merci. C'est à cause de ça, et je vous apprends ça. Maintenant, pour ceux qui sont filmés là, les trucs que j'ai ici là, je vais être prier. Ceux qui sont filmés, je vais être dans les profs mal dit. Il a dit de quoi. C'est-à-dire, des séries ici. Ça veut dire, frère, continue. Monte à la scène, le talent. Maintenant, lui, il n'est pas mort, il peut le mettre, merci de pouvoir. Tu peux être ici. Tu penses qu'il n'a pas appris ça. C'est à cause d'elle là-bas. Maintenant, il est là-bas depuis là. Frère, vas-y. Monte à la salle Ouattara. Oui. En 2010. 2010. Par Zappa, Tadier, Etienne et sa milice. Mais vous m'avez. Au 43e Bima. Oui. C'est vrai. Est-ce que c'est arrivé? Jamais. Nous étions en 2010. On est en 2010 d'être là. À la salle, il y a où? Président de la Côte d'Ivoire. Non, c'est la salle qui devait mourir là. Parce que si vraiment il mourait, il allait dire qu'il est dangereux, qu'il est vrai. Donc Dieu même il a oublié de plonger vite déjà. Voilà. Il a oublié de changer tout pour ne pas qu'on croit, on pense qu'il est vrai. Voilà. Mais c'est comme ça que Dieu fait. Pourquoi on sait que c'est un faux type qui est là? Expérience spirituelle. Enseignement angélique. Tu as menté, je vois que tu as menté. Moi si j'étais à ta place, je m'aurais repenti publiquement. J'ai dit, mais frère, pardonnez-moi, cette fois-ci j'ai menti. Je me suis trompé. Ils ne vont pas te corriger. L'homme peut se tromper. Mais chercher à justifier ça, ça veut dire que tu es conscient. Tu as fait mentir au temps de la paix. Oui, j'ai compris, on a terminé, on a fini. Vas-y, frère. Et la cinquième prophétie. Il n'est même pas furieux. Je dis, après, vas-y, il a l'air. Frère, vas-y. Et la cinquième prophétie. Oui. Sa part à Dieu tienne. Sa part à Dieu tienne. Avec sa milice. Uh-huh. Feront un coup d'état. Ouais. Un prophète coup d'état. Yeah.